Hey, salut tout le monde, c'est la Pierre et bienvenue sur cette suite de mon Let's Play sur Rome 2 Total War. Alors, dans ce tour, bah justement, on va continuer à recruter des cavaliers avec cette armée. Pareil, on va se renforcer. Et puis, on va aller jusqu'ici, faire le siège de cette putain de colonie là, qui nous joue quelques tours depuis quelques temps. Attendez, attendez, regardez, regardez bien, c'est bien ce que je crois là. Elle est sans défense, non? Bah attendez, cette opportunité de ouf là! Est-ce que je suis le seul à avoir de la hype? Est-ce que vous avez de la hype aussi là? Est-ce que vous pensez qu'on peut les niquer directement plutôt qu'attendre et attendre? Parce que du coup là avec 12 unités... Attendez, toi tu peux dépasser, oui, oh là là, oh là, c'est super. Ok, bah déjà attendez. Sabotage de la colonie, on va essayer de faire un petit raid bien sympathique. Hop là. On va voir si ça a réussi ou pas. Ça marche? Allez, s'il te plaît. Une chance sur deux. Et je sais que... Ah quand même, attends... Ah mec, t'as 60%, tu peux pas rater ça, franchement. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Toi... Ah je sais, avec toi en fait, je lui ai envoyé une mission, tu vois. Parti en reconnaissance, 33% de chance. Oh. Autant dire que là c'est... Si elle gagne, là je fais rien parce que j'ai pas d'idée en tête. Voilà. Bon bref, allez, gagne. Non, tu veux pas gagner. Bah écoutez, c'est pas grave. Oh, mince, on va faire une petite sauvegarde rapidement. Faut que non, étant donné qu'on reprend la sauvegarde initiale, donc c'est pas grave. On va essayer justement de prendre la colonie parce que ça me paraît bizarre quand même qu'elle n'ait pas défendu. Bon, tant mieux, hein. Hop, déclarer la guerre, bien entendu. Voilà, pourquoi? Bah, pourquoi pas. Voilà, allez, c'est parti. Oh là là, mais c'est magnifique. Est-ce qu'on la joue, honnêtement? Est-ce qu'on la joue? Oh. Je vais être gentil, vous avez pas eu d'épisode avec des batailles depuis un petit moment, donc je vais être gentil, je vais la jouer pour vous, pour vous faire plaisir. Et puis voilà, c'est parti, allez, lancez l'assaut avec les vainqueurs des Brocs. Ok, retournons, alors voilà, petite formation, on va attaquer avant de ce côté, on va focaliser toutes nos forces là-dessus. En premier lieu, j'ai envoyé justement mes petits frondeurs aller harceler les ennemis qui sont postés sur les murs. C'est normal, on les voit pas, mais voilà, ils sont apparus. Juste regarder justement leur portée à eux. Là, on va se poster comme ça. Maintenant, là. Alors, il y a un petit problème là. C'était ces deux-là qui doivent être en groupe de formation. Attends, j'ai fait de la couille, enfin, de la merde plutôt, devrais-je dire. Ouais, ça n'a pas fait comme je voulais. Ok, alors là, on va ouvrir cette tour. Juste ici, voilà, comme ça. On va attaquer ce côté-là. Avec le groupe 3, on va attaquer là, comme ça. Avec le 4, on va attaquer là de front. Et avec le 5, on va attaquer ici. Alors, focus ses tirs là-dessus, là, comme ça. Ah oui, ils prennent cher. Oh là là. Oh mon dieu. Déjà pris tout ça en dégâts, putain. Donc comme des mouches. Ok. Le groupe du général, on va l'avancer un petit peu quand même. C'est-à-dire jusqu'ici. Bon, ça y est, c'est plus trop une menace. Feu là-dessus, vous. Parfait, continuez. Bon bah voilà, on continue à faire feu, nos soldats arrivent peu à peu. On tempo, on tempo. Attends, on leur fait vraiment très mal. C'est mal depuis les remparts, comment c'est? Alors là, eux ils vont se prendre une de ces volées là. Regarde, regarde bien, regardez bien, regardez bien. Restez, ouais, comme ça c'est bien. Je fais les gars, s'il vous plaît. Allez, feu, feu, feu! On vous attend! On vous attend, bande d'enculés! Waouh! C'est plus que 10. Ok, alors toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Moi, toi, reviens, c'est complètement inutile ce que tu fais. Tu crèves pour rien en fait. Je t'explique un truc.
Voilà, c'est bien. Et il n'y avait pas un autre, c'est là. Toi, tu vas aller. Tu vas ici, comme ça. Allez, feu de feu. À l'attaque. C'est parti. Allez, premier contact. C'est parti, les gars. Débarquez, débarquez. Ah putain, les archers ils font nimp là. Ah, attends. Ok, celui-là. La bataille tourne en notre faveur. Encore ok, tourne en notre faveur. Ok, toi tu vas attaquer ça, c'est bien. On va prendre les tirailleurs de l'arrière, c'est-à-dire eux. Toi tu vas faire feu sur ça. Pater d'élite là. Sur, non, c'est en général, c'est 10 fois mieux. Et on va prendre un tirailleur de l'avant, c'est-à-dire eux. Et on va faire feu sur ces salauds. Ou sur eux plutôt, ouais, ouais, comme ça c'est bien. Voilà, là ils ont débarqué, c'est parfait. Attaque ces mercenaires aux tribus celtes. Mais non! Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont cons! Oh mon dieu! Arrêtez! Montez pas! Ne montez pas! Voilà. Allez, il est attaqué. Voilà. Pareil, vous attaquez ici. Niquez-moi ça. Là, toi tu niques ça. C'est bien. Attendez, tous les bretteurs, revenez. Bon, les bretteurs, les. Hippocop, quoi. Qui là, qui veut pas? Toi, voilà. Tous les tirailleurs, mettez-vous comme ça, faites feu. Ok. C'est bon. On va envoyer ça aussi là. Comme ça, voilà. Toi, tu vas capturer ça. Reste. Oula, ça lag un peu. Ok, alors toi, tu attaques ça. Ouais, tu attaques ça. L'archer là qui s'est faufilé comme ça comme un gros con. Je vais te mettre là-bas. Toi tu vas capturer cette tour. Là vous chargez sur un côté, c'est parfait. Là c'est bien. Vous là, hop, ok, voilà, là on est, on continue de les niquer, c'est parfait. Un focus sur ce groupe là. Toi tu peux attaquer par contre cela, je veux bien. Allez hop, passez par la porte. Pourquoi vous voyez? Tu veux pas passer par là? I don't understand. On va envoyer le général sur le côté là. Ah tu peux pas, d'accord. C'est fort dommage ça. Pareil là tu montes. Allez, capturez-moi cette porte là. Continuez, continuez. Nous avons capturé une tour. Voilà, c'est bien, Mickey et moi. Allez, capturez les portes, comme ça on voit le général directement là. Ah bah, terminé la bataille, hein, que demander de plus, allez. Hein. On a perdu quand même 340. Ah, on a perdu une unité d'infanterie directe. Ah ouais.
En même temps, c'est une bataille de siège, et ça, la bataille de siège, il y a toujours des pertes. Allez, je vous retrouve à la fin du chargement. Allez, hop. Voilà. Comme j'ai un objectif juste en haut, je dois piller, donc je vais piller simplement. Puis je vais occuper. Hop, occuper. Et voilà. Là, voilà, il y a une petite armée ici, une grosse armée quand même, avec quelques bonnes troupes. Comme ça, et là il y en a deux, ok, c'est pas grave. Là franchement, là ça sert plus à trop à rien de la garder. Juste regarder rapidement quelle compétence je peux lui donner à celui-là. Je pense que je vais lui donner un truc pour lui monter son niveau d'autorité, voilà comme ça. Ok, bah c'est parfait. Les agents, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Je voulais voir justement au niveau de l'armée, qu'est-ce que je peux recruter. Des bretteurs d'élite, donc ça c'est pas mal. Et surtout la cavalerie. Voilà la cavalerie. Que demander de plus? C'est où que je peux j'ai le droit à ça? Ah c'est ça, bah non. C'est là. D'accord. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hein. On va se prendre deux unités de cave. Et les bretteurs, on va en prendre une. Là je vais pas les fusionner parce que j'ai peur que l'armée ennemie revienne. Et à mon avis c'est ce qui va se passer. Normalement d'ici le... J'ai encore un tour de répit je pense du coup. Chose comme un tour de rapide, quoique là, eux ils pourraient m'attaquer, mais avec eux, ouais, on verra bien. De toute façon, on verra bien. Ok, maintenant on va voir justement si on peut pas réparer tout ça, quoi. C'est-à-dire là, on a quoi ici? Des écuries, les écuries, c'est quand même pas mal. Hein. Je pense que je vais laisser, ouais, je vais laisser comme ça, ouais, ça me paraît pas mal. Autant vous voyez, cette province là, ouais, il y a. Oh, pas besoin, mais là c'est bien comme ça au contact des provinces un peu à l'est. Bah, ça, si je veux faire une guerre contre les provinces de l'est, bah je pourrais, tu vois, et je serais tranquille. Donc, ouais, on va laisser les écuries, c'est plutôt une bonne idée hein, d'avoir ça. Donc, hop, là c'est quoi celui-là? Ouh là là, ça nous permet de faire des balistes bretonnes. Et du coup, attendez, au niveau de l'armée là, est-ce que j'aurai pas des unités de tirailleurs un petit peu meilleures que je peux recruter simplement? Tirailleur, frondeur, non, c'est frondeur, c'est. Par contre, je peux faire des balistes et balistes, je sais pas. Peut-être. Je regarde un petit peu tout ce qu'on a à notre possibilité. Ok, rien d'autre, c'est déjà pas mal. Hein. Ah oui, j'ai pas vu, ils ont une armée aussi là. Ah, mais ça va être chaud à tenir. Hein. Ça va être très chaud à tenir là, putain. Je crois qu'au prochain tour, on va se faire une bataille. Waouh! Ça va être. Je vais peut-être recruter même des. Ah, pas ça. Quoique, attendez. Un agent. J'envoie sur. Ah, mais non, parce qu'il faut un tour pour qu'il puisse bouger. Donc, non, ça va pas nous aider du tout. En mercenaire, j'aurais quoi par hasard là? Ouais. Des frères lanciers mercenaires. Je regarde si je peux pas avoir. Directement ça sinon. Bon, c'est pas grave, on va combattre avec une arme à 17 au pire du pire. Toi du coup, bah, tu te prends juste de la cave pour toi, ça sera largement suffisant. Et par contre, tu vas te recruter quelques unités là-dedans là. Notamment bah on va des lanciers, ce serait plutôt utile. Hein. Voilà. Tu peux encore ou pas? Non, tu peux pas. Sinon j'aurai pris des bretteurs. Mais là, ça fera déjà une petite armée qui arrivera. Là, je pense que je vais lever des troupes là, aussi. Parce que sinon, ça va vite tourner au cauchemar là. Ok, en plus, j'ai beaucoup d'argent. Donc, on va prendre un mec. On va pas. Un mec des Issen quand même. Hein. Ou une femme des Issen. Plus un d'ordre public. Encouragé, 5 morales. Encore plus d'ordre public. Et là, c'est qui? Les Issen, pareil, à lui. Moins 2 taux de repos pour toutes les unités et capacités spéciales. Attendez, je regarde juste rapidement, je feuillette un peu ses compétences. Ouais. Là, c'est un clan d'hippocampe. Là, c'est pareil. Et là, c'est les Issen. Ah, lui, il y a beaucoup de trucs. Honnêtement, je pense qu'on va que 5% de la taille de la zone d'influence du commandant. Du commandant. Donc, ouais, ça peut être pas mal pour le moral, tout ça. Comme ça, les unités éviteront de partir en lâche un peu. Ouais, écoutez, on va prendre celui-là. Rétablir l'héritage de les nobles serfs. Rétablir.
On va se prendre en général. Peut-être prendre une unité de. Comme ça, je sais pas. J'hésite. Déjà, les chars, non, hors de question. On se souvient très bien pourquoi je refuse de prendre des chars. Parce que c'était clairement de la merde. On va prendre des. Ah, je sais pas. Allez, celui-là, comme ça, je pourrais envoyer au cake si jamais il y a besoin. Hop, et là, par contre, je pense qu'on va recruter masse mercenaires, c'est-à-dire. Hop, hop. Hop. Voilà. Parce que là, ils vont tous revenir, ces sales chiens. Et même, on va recruter aussi. On va commencer à former l'armée régulière, devrais-je dire. Ok. Comme ça, on aura ça. Là, on va l'améliorer. Voilà. Cavalier de niveau 1, si je me trompe pas. Bon, là, on aura de quoi tenir. Normalement, ça devrait aller. Vraiment. Allez, ça passe. Ça passe. Honnêtement, ça passe. Ok, on a encore un peu d'argent. Du coup, on va lancer des missions. Notamment avec. Je peux pas l'envoyer en apprentissage, quelque chose comme ça, si j'apprends là. Ah, non. D'accord. Si je me prends moi. Là, c'est quoi? Éduquer. Ah, voilà, ça, c'est bien ça. Hop, donc voilà, ouais, j'ai tout aura à commencer. Le personnage reviendra quand il sera prêt. C'est-à-dire, en gros, il part quelque part, je sais pas où. Et à son retour, il y aura un bonus. Non, c'est marqué ici, non? Voilà, plus 2 à un attribut aléatoire. Donc en gros, soit il y aura plus 2 en autorité, en ruse ou en zèle. C'est tout. Bah, c'est quand même pas mal, par contre, ça coûte cher. Maintenant qu'on a fait ça, on va envoyer quelqu'un en diplomate. En diplomatie, devrais-je dire. Tiens, toi là. Avec les calais machin. Juste pour voir, ils auraient pas fait une confédération si je leur donne beaucoup beaucoup. On va tester. Rejoins la confédération et on te donne vraiment. On te donne énormément. Allez, comme ça. Non. Et si je te donne tout ce que j'ai? On sait jamais. Hein. Mais sinon, dans le dos, je les attaquerai dans le dos et puis voilà. Sans régler parce que là, on est pas sorti de l'auberge. Non, il n'y aurait pas. Hormis ça, non, je voulais rester dans le commerce. Le commerce, enfin, la diplomatie, hein. Toi, est-ce que tu devrais faire une petite. Non, pas ça, non. C'est sûr que là, tu m'étonnes pas, tu vois. Ah, déjà, ça, c'est bon. Ok. Les Helvètes, pendant qu'on y est. Un petit peu de commerce. Ah, par contre, t'aimes pas trop les autres. Bah, écoute, c'est pas très grave. Salutations. Faire un peu de commerce, non? Si je te donne un tout petit peu d'argent, quand il. Attends, je sais, avant de faire ça, je vais voir les autres qui sont plutôt déjà amicaux envers moi. Par exemple, les rouges. Accord commercial, non? Écoute, mec, moi, tu vois, je m'appelle Issen. Je suis pas un pauvre, tu vois. Alors, ce que tu vas faire, ce que tu vas accepter, parce que je suis pas un pauvre, comme je l'ai dit précédemment, et j'ai beaucoup d'argent. Donc, avec ce modeste cadeau, tu vas accepter. Tu refuses, c'est sûr. Parce que tu vois, si tu refuses, bah, ce que je vais faire, ce que je vais niquer ta mère, voilà, simplement, non, non. Je vais te donner un petit peu plus d'argent, bah oui, parce que il veut pas ça, bah il voudra ça, et puis voilà. Ah bah c'est bon, hein, espèce de radin là. Y a qui d'autre sinon, hormis lui là? Massilia, oh putain, Massilia. Une cité grecque d'ailleurs, hein. Massilia à Marseille représente, hein. Même si je viens pas du tout de là-bas, Marseille, c'est. C'est merdique. Oui, donc je disais accord commercial. Oh bah non, en fait, Marseille c'est super bien, franchement, là c'est super. Oh oui, du coup, regardez, notre route est fait. Et grâce à ça, on a découvert plein de factions. Et du coup, avec. Oh, Rome, carrément. Mais oui. Accord commercial, mais oui, avec Rome. Mais là, je m'en bats les couilles, je dépense sans compter. C'est Rome, ma gueule, c'est. Qu'est-ce que tu veux là? Putain, oh putain, les salauds, ils sont durs en affaires quand même. Putain, ils sont très durs. Expansionniste et sournois, non mais ouais, c'est Rome en même temps, tu crois quoi? Rome, ça y est, ils négocient pas eux. Pas tant de biaisés. Ouais, ça y est, ok, Rome, ça y est. Rouge, non, eux c'est des gros salauds. Ok, toi t'es comment avec les pitons? Les pictons S. Bon, ouais, de toute façon, je vais les écraser. Hop. Ok, les Helvètes, ils vous rendent pas. Les gueux, machin. Les sales gueux là. Moi je fais plein de commerce là, c'est waouh!
Carthage. Alors Carthage là. Oh là là. Oh mais regardez-moi tout ce commerce qu'on fait les gars, c'est super rentable aujourd'hui hein. Allez machin. Bah il m'aime pas trop de toute façon donc s'en fiche. Les Helvètes, donc il reste les Helvètes, Rome et Rouge. Les Helvètes, je sens que je peux les avoir, ça c'est... Je leur donne un petit peu, écoute, tu vois. Genre, hop, et on va aller sous les paiements, hop là. Ouais, on a un petit 2000. 1900, ouais, ça y est. Ils sont très durs en affaires, hein. Allez. Je vais faire le gros pigeon, tiens. Voilà, prends ma thune. Moi je suis riche et toi t'es pauvre, profite. Quand même, 3000, hey, il coûte dur en affaire mec, 3000, hein. Putain. Ok, bah c'est bon, maintenant regardons nos revenus. Oh là là, regardez-moi ce pognon qui rentre, 4400 là. Du coup, attends, fais voir la route commerciale un peu, parce que là, ça y est, elle part. Hein. Donc là, on a justement eux. On peut voir que nous, ça nous rapporte 183 et 261, c'est plutôt rentable pour eux. Hein. Ok, là on part ici vers... Ah, c'est nos amis. Ah oui, là c'est très rentable pour nous, d'accord. Ensuite, on part là vers Carthage. Carthage, rentable pour nous, pareil. Hein. Là, on va jusqu'à Massilia. Ah, ils sont déjà là, les Romains, putain. Ah ouais, ah, ils ont pas le temps. Hein. Putain, c'est la merde pour Carthage, c'est la grosse merde. Jusqu'à Massilia, comme j'avais dit. Et là, pareil, c'est plutôt rentable pour nous. Ok, bah c'est parfait, hein. Un petit peu de commerce, j'aimerais bien faire avec Rome là. Ah, on peut voir que là c'est contrôlé par Rome. Attendez, est-ce qu'il y a moins de voir ici ou là? Massilia, ouais. Ah, Massilia est contrôle ça, putain. Là on sait pas trop. Du coup, les Helvètes. Est-ce que je peux faire une alliance et dire faire en sorte que tu les attaques là? Helvètes, t'es en guerre contre qui toi? Allez, Mako, machin. Par contre, c'est sérieux ça, les Mako, je peux pas faire de commerce. Attends, non, c'est pas eux. Ah si, j'ai déjà, c'est les rouges. Bah écoute, on va continuer de taper les 50 et machin là. Bah écoute, je pense que ça va être bon les gars, là on a bien avancé. Ah, par contre, oui, juste ça, si je peux te remettre en normal, voilà. C'est bon, t'es à l'intérieur? T'es à l'intérieur, oh, non, t'es plus à l'intérieur. Ouais, je sais ce que je vais faire rapidement aussi. Je vais envoyer un de nos mecs là. Toi, tu lead. Je suis en mission, lui, ouais. Pour stabiliser justement l'ordre public, là. Je crois que c'est celle-là qui est en train de descendre de ouf, là. Celtica. Ok. Ça, c'est bon. L'argent qui descend un petit peu, mais c'est pas la fin du monde. Là, l'ordre public, et bah écoute. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. On va faire pareil une mission là, ouais. Sinon, ce que je vais faire là, comme dans deux tours, on aura 4 de surplus, donc je vais construire un bâtiment dans deux tours justement pour leur public parce que c'est vraiment pas la fête. Là, c'est pareil, mais dans un tour, il y a ça qui arrive, ça va aider. Ok. Et par rapport à une nouvelle province, là on est à moins 17, ça fait un peu mal. Après, l'instabilité provinciale, surtout. Puis surtout, je vais améliorer ça. Ok, alors attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, justement, garder les esclaves? Normalement, il y a un bâtiment de ce type, de ce thème, qui nous permet, justement, de faire en sorte de réduire le déclin de la population d'esclaves. Juste ce que je trouve. Ah, regardez, là, déjà, plus 20% de richesse provenant des esclaves. Ça, c'est pas mal. Et là, c'est quoi? Et par contre, ça donne combien? Plus 3, plus 4, et de base, c'est combien? Plus 2. Et 10 de collection des tribus. Ouais! Ok, bah écoutez, on va partir sur le bois d'Antarta. Attends, je prononce quand même bien ou. Bois d'Antarta. D'accord, c'est assez étrange comme type de nom. Et du coup, c'est quoi l'édit qui parlait l'autre là? D'accord. Après, ouais, je sais pas si c'est très rentable. De toute façon, on a 3 tours. Là, on est plutôt. C'est pas la fin du monde. Et là, par contre. En même temps, on a conquête. Non, ok, c'est pas très grave.
Ah oui, j'ai pas fini de rénover tous les bâtiments aussi. Hein. Là, on a quoi? Déjà ça. Utilisateur. Utilisateur d'élite. Je sais pas si on se conserve les bâtiments comme ça ou si on fait un peu plus. Vous savez, pour les revenus, tout ça là. Parce que la province, ça, déjà, il nous rapporte pas beaucoup. Allez, on va en faire une bonne fortification. On va conserver ça. Les pigeons. Et là, pareil. Ça, par contre. Je sais pas. Hein. Allez, on fait. Ouais, vraiment, on va faire une bonne ville au niveau de la garnison là. Hop, là, comme ça, on sera tranquille. En plus, ça se trouve dans un tour, on aura justement les bâtiments réparés, donc peut-être la garnison qui nous aidera. Ok, bah là, ça a l'air d'être ok. Je voulais faire un truc, je m'en souviens plus trop. Attendez, juste jeter un coup là-dedans là. Bah non, même pas, l'ordre public, c'est bon, on a fait. Bah écoutez, je pense qu'on va passer le tour. Quoique, non, je vois que l'épisode commence à durer, donc les gars, au prochain tour, enfin au prochain épisode. Je pense qu'on va avoir une énorme bataille avec tous les Sekan, Sekan, faut pas que je dis Sekan, c'est Sekan, Sekan-S, qui va venir nous poutrer la gueule, enfin on va résister, on va les gagner, enfin j'espère. Ils ont quand même deux armées plutôt bonnes, une petite troisième un peu moins bien. Mais bref, ça va être compliqué, on va quand même la jouer, on va tenter, hein. Et puis voilà. Donc les gars, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. C'était la Pierre, salut!